vos priorités lorsque vous appelez un taxi? Tarif décent, aimabilité, connaissance du lieu. La rapidité et la gentillesse du chauffeur. L'industrie tente de toutes sortes de façons de se moderniser, de redorer son image. Voilà que la ville impose un nouveau règlement aux chauffeurs. Lorsque vous appelez un taxi, vous avez l'habitude d'ouvrir la porte vous-même. Mais à compter du 1er janvier prochain, obligatoirement, les chauffeurs devront ouvrir la portière sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 $. Oui, mais je trouve ça ridicule un peu, hein? Cela s'appliquera uniquement aux usagers qui commandent par téléphone ou via une application. S'assurer que le taxi soit propre, que l'auto ne tombe pas en panne ou que l'état général de l'auto soit peut-être plus important que se faire ouvrir la porte. Questionnés sur cette mesure, les chauffeurs dévient rapidement du sujet. Il n'y a aucun problème pour ça, mais il y a d'autres choses que la ville doit résoudre encore. Ça fait bien longtemps qu'on parle de Uber, puis il les laisse faire. Faire un bon service pour la clientèle, parce que nous, maintenant, à peu près, on perdait 10 ou 30% de la clientèle à cause du Uber. Ouais. Dans le cadre de l'amélioration du service puis de l'innovation au niveau de l'industrie, ben, je pense que c'est des bonnes mesures. Puis moi, avec le problème que j'ai... Monsieur Hudon, qui se déplace en chaise roulante, ne demande que du respect. Et ça, ça irait dans la valise de la voiture taxi. Ça va. Oui, mais 3-4 chauffeurs... Oh non, non, je peux pas, je suis encore. Là, j'attends. Je ne comprends pas. Cette réforme qui entrera en vigueur le 1er janvier s'ajoute à celle d'un code vestimentaire, pantalon noir, chemise blanche. Et les propriétaires de taxis auront un an pour installer des caméras de surveillance. Marie-Pierre Cornelier, TVA Nouvelles, Montréal.